Des fois je me sens perdu, c'est la nature humaine, on m'a dit le mal-être perdure. C'est comme une maladie, on gamberge, même en sachant qu'on reste incompris. Même prétendre berger, c'est le désaccord et ça devient morbide. Un sale trip, sur 6 milliards, se sentir seul type. Pas au-dessus des autres, mais à côté de leur sale cheat. Faux prétexte, et je m'évade dans un joint d'herbe, un beat et sort des textes. Si c'est du noir, c'est que j'embroie, mec. Une faille du système, plus un système en faillite. Marianne, ton fils t'aime et tu le renies, alors il s'agit, on s'agace. Tu les écoutes, on est des terroristes. La première menace, on est placé en haut, en tête de liste. Donc l'humain se sent seul, vu qu'on le jette, s'il veut pas marcher droit. Enfin, marcher dans leur rang, car la droiture chez eux n'existe pas. On crée des paradoxes, on y vit logique, ça colle pas. Ils rejettent à qui la faute, à pile ou face, sur nos faces d'en bas. On s'évade de tout ce merdier qu'on se détache, qu'on sépare de leurs idées qui nous pourrent le crâne, qu'on s'égare. Peu importe où, faut qu'on s'évade, qu'on s'échappe de leur monde qui se décale. On s'évade de tout ce merdier qu'on se détache, qu'on sépare de leurs idées qui nous pourrent le crâne, qu'on s'égare. Peu importe où, faut qu'on s'évade, qu'on s'échappe de leur monde qui se décale. J'suis parti en solo, pas dans mon son, mais mon état d'esprit. Ici y'a personne, à part les serviteurs d'Ibis. Un monde de vice qu'on peut renverser, y'a pas de vice versa. On vise pour exister, leur cible est pété, leur quota quotidiennement. C'est la baston pour survivre, on vit sur les dents. En plus on garde le sourire, chacun se renferme devant le net ou la télévision. 10 ans TF inferme et tes neurones seront ta propre prison. Alors que le parlement dans ses débats nous parle de ganja. Pour faire abstraction, que c'est des caches, tout qu'on ne se passe pas. Antidépresseur, record mondial, c'est sûr on pète le score. Mais dans le fond je préfère qu'on pète la forme de là. Et nique leur crise, le problème n'est pas là. Ils créent des problèmes et nous aveuglent pendant qu'ils se pavanent d'un banal. Ça devient lassant de subir ces bananes. Que chacun a son monde, y'a pas le choix, faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade de tout ce merdier qu'on se détache, qu'on sépare de leurs idées qui nous pourrent le crâne, qu'on s'égare. Peu importe où, faut qu'on s'évade, qu'on s'échappe de leur monde qui se décale. Faut qu'on s'évade de tout ce merdier qu'on se détache, qu'on sépare de leurs idées qui nous pourrent le crâne, qu'on s'égare. Peu importe où, faut qu'on s'évade, qu'on s'échappe de leur monde qui se décale. Vous en prie, asseyez-vous. D'après votre dossier, vous avez fait 40 ans de votre perpétuité. Pensez-vous être réhabilité ? Réhabilité. Voyons que je réfléchisse. Je crois que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes prêt à retourner dans la société. Je sais pas ce que ça veut dire être prêt, Moïse. Pour moi, c'est une simple formule. Un beau discours de politicien pour que des gamins dans votre genre portent des costumes cravates et ne soient pas au chômage. Que voulez-vous savoir exactement? Si je regrette ce que j'ai fait. Vous regrettez? J'en ai rien à foutre. Vous me demandez que je devrais en avoir, mais parce que... Je repense à l'époque où j'étais... un gamin idiot. Je voudrais lui parler. Je voudrais essayer de lui faire entendre raison. Expliquer comment sont les choses. Mais je peux pas. Ce gosse est mort il y a longtemps. Il ne reste plus que ce vieux bonhomme. Je dois vivre avec ça. J'en ai rien à foutre.